Bonjour. La présentation que je vais vous faire aujourd'hui s'intitule Traduction de texte, technique et pragmatique, c'est-à-dire la traduction spécialisée. Cette présentation est tirée de mon cours intitulé Travaux de traduction du turc vers le français. C'est un cours que je donne aux deuxième années à l'université dans un département de traduction et d'interprétation. Alors, quel est l'objectif de mon cours? Je vais vous expliquer. Tout d'abord, c'est de décrire les étapes de la traduction de textes généraux informatifs à caractère spécifique, c'est-à-dire tous les textes non littéraires. Deuxièmement, c'est expliquer ces étapes qui visent à détailler le travail. Quel travail? Le travail de compréhension du texte, de définition des termes, d'élaboration d'un lexique contenant les correspondants de ces termes, et enfin, de la traduction du texte. Et en dernier lieu, nous faisons l'évaluation de la traduction à partir d'une grille d'évaluation conçue à ce titre. Quel est le contenu et les composants de ce cours? Alors, ces composants doivent avant tout répondre aux questions suivantes. Comment effectuer l'analyse discursive du texte avant d'entamer la traduction? À cet effet, quels sont les matériaux qui peuvent nous y aider? Dans un texte à caractère spécifique, comment définir dans le texte de départ les mots qui sont susceptibles d'être des termes? Expliquer la différence entre un terme et un vocable. À partir de cette liste de termes épurés dans la langue de départ, comment effectuer la recherche pour trouver les correspondants adéquats dans les textes d'arrivée? Quelles sont les démarches à suivre dans cette étape de la recherche et de la documentation? Comment se servir de ce lexique dans les applications d'aide à la traduction? Comment effectuer la traduction du texte en utilisant ce lexique? Dans le but de révision et de correction, enfin, de la traduction, comment utiliser la grille d'évaluation nous permettant de définir et de codifier les erreurs de traduction? Alors, quels sont les termes abordés et les étapes de la traduction? Pour ma part, le processus de traduction est composé de quatre étapes. Premièrement, l'étape de la pré-traduction. Deuxièmement, l'étape de la recherche et de la documentation terminologique. Troisièmement, l'étape de la traduction. Et quatrièmement, enfin, l'étape post-traduction, évaluation de la traduction. Nous allons à présent détailler les étapes. Alors, l'étape de la pré-traduction, qu'est-ce que c'est? Ici, il est important d'effectuer une lecture approfondie pour une bonne compréhension du texte. Car dans ce genre de texte, à caractère spécifique, il est parfois difficile de comprendre et d'éclaircir le sens exact. Ensuite, il faut guider l'étudiant dans la documentation des informations concernant le texte, car ces informations ont une importance primordiale dans l'élaboration de la traduction. À savoir donc, par exemple, quel type de texte nous avons, qui est l'auteur, quel est le contexte de l'époque, quel est l'objectif du texte, et enfin, en dernier, nous pouvons dire que c'est une analyse du texte centrée sur la quête du sens. Dans la deuxième étape, qui porte sur la recherche et la documentation terminologique. Il faut expliquer l'importance de l'étape de la recherche et de la documentation et la manière de procéder. Durant cette étape, il est important de bien guider l'étudiant et de l'accompagner pour trouver les mots-clés qui l'amèneront aux termes les plus adéquats. À partir des résultats obtenus, élaborer un lexique qui, tout au long de leur carrière de traducteur ou de traductrice, pourra leur servir de base de données. Dans la troisième étape, qui est l'étape de la traduction, donc avant d'entamer la traduction des phrases, il faut établir une analyse traductive, ce que nous appelons nous une analyse traductive, c'est-à-dire une analyse discursive, qui suppose de répondre aux questions pour chaque action animant la proposition principale, à savoir donc, qui a fait quoi, quand, où, comment, pourquoi, à qui et à quoi. Une fois que l'action et l'actant ou bien les actants ont été définis,
il faut procéder à l'analyse de toutes les unités sémantiques entourant la phrase principale. Quelles sont ces unités? Par exemple, les compléments d'objet, les compléments circonstanciels ou bien les subordonnés. Il faut en quelque sorte tracer le schéma grammatical de la phrase. Dans l'étape de traduction, nous utilisons donc un outil de traduction et nous appelons ceci une traduction assistée par ordinateur, un TAO. Donc, qu'est-ce qu'un TAO? Eh bien, c'est un programme informatique permettant d'aider le traducteur dans l'acte de traduire et dans la gestion d'un projet de traduction. C'est un outil qui permet d'enregistrer des mémoires de traduction. Une mémoire de traduction est une base de données linguistiques utilisée lors de la traduction. Elle est composée de segments en langue source et de leur traduction en langue cible. Mais il faut faire attention, car la mémoire de traduction ne traduit jamais à la place du traducteur, mais l'assiste dans son travail. C'est donc au traducteur de déterminer s'il garde la traduction proposée telle quelle ou s'il doit l'adapter. La mémoire va également lui permettre de garder une certaine cohérence et homogénéité au fil de la traduction. Mais il ne faut pas confondre mémoire de traduction et traduction automatique, qui sont en fait deux choses bien distinctes. La traduction automatique ne nécessite aucune intervention humaine, contrairement à la mémoire de traduction qui, elle, est créée et alimentée par le traducteur lui-même. Donc, on peut se demander pourquoi il est important d'utiliser une mémoire de traduction. Eh bien, utiliser une mémoire de traduction permet au traducteur de travailler plus vite et d'être plus efficace. Grâce à celle-ci, le traducteur ne traduit jamais deux fois la même chose, car la mémoire de traduction est alimentée par le traducteur, les segments traduits et validés sont enregistrés au fur et à mesure de la traduction. Donc, si le logiciel détecte un segment qui a déjà été traduit auparavant, il va automatiquement suggérer la traduction enregistrée dans la mémoire. Les nouvelles unités de traduction pourront être ainsi utilisées à leur tour lors des projets suivants. Vous voyez à présent donc une interface de cet outil de traduction qui s'intitule en même source que nous utilisons donc dans le cours. Et dans cette interface, comme vous pouvez le voir, nous pouvons donc faire la création d'un projet, le téléchargement du lexique ou bien activer les mémoires de traduction. Nous apprenons tout cela. Et enfin, dans ce segment-ci, dans cette interface, comme vous pouvez le voir, vous avez sur la droite les segments de la langue source, suivis de la colonne où figurent les segments de la traduction en langue cible. Et sur la droite, donc, vous avez toutes les informations concernant les termes. Nous arrivons à présent à l'étape de la post-traduction, c'est-à-dire où nous faisons donc l'évaluation de la traduction. Nous expliquons ici comment procéder dans l'étape de post-traduction et nous présentons donc un modèle de grille d'évaluation et le nôtre se prénomme Chevolch qui vient en fait de l'abréviation Chev qui veut dire Chevire et qui veut dire traduction et de Olch qui vient de Olchme, c'est-à-dire évaluation. Nous montrons par la pratique l'utilisation de cette grille d'évaluation à partir des copies d'examen des étudiants. Donc ici, nous verrons la meilleure copie et la plus mauvaise copie en exemple. Tout comme l'acte de traduire, qui nécessite un large éventail de domaines de connaissances, l'étape de l'évaluation contient elle aussi beaucoup de complexité. Actuellement, dans les départements de traduction de l'enseignement supérieur, un modèle de grille d'évaluation dans le domaine de la traduction définissant les niveaux de défaillance est nécessaire comme outil pour combler les lacunes existantes dans ce domaine et pour fournir en fait une base scientifique et objective à cette discipline.
Dans l'évaluation du bagage cognitif des étudiants et des compétences de l'étudiant, nous sommes contraints de nous baser sur des critères objectifs et scientifiques. Le but de créer cette grille d'évaluation est d'éviter le plus possible toute subjectivité dans l'évaluation et de tenir compte du type et du niveau de difficulté de l'erreur et des conséquences qu'elle peut entraîner. Donc, une grille d'évaluation doit être avant tout de nature à permettre à l'enseignant d'être plus objectif et de comprendre les raisons de la réussite ou bien de l'échec de l'étudiant. Donc, notre grille d'évaluation en traduction a été créée, nous l'avons créée en 2005, donc dans le cadre d'une thèse de DEA en traduction. À partir, nous nous sommes basés sur trois grilles d'évaluation existantes dans le domaine de l'enseignement de la traduction à l'époque. Donc, nous nous sommes basés sur CICAL, qui était le système canadien d'appréciation de la qualité linguistique. Ensuite, nous nous sommes servis d'une grille d'évaluation créée par Lina Segal-Fegali et également des niveaux d'évaluation de Hanlon Lianke. Notre grille à nous d'évaluation est composée de trois niveaux, à savoir donc le niveau linguistique, le niveau sémantique et le niveau scopos que nous allons détailler plus tard. Donc, pour répondre à l'objectif pédagogique et pour sensibiliser l'étudiant sur le degré de ses erreurs, nous avons défini dans cette grille des codes d'erreur permettant de décrire la nature et le niveau de défaillance en traduction. Ces codes d'erreur, qui constituent des critères dans l'évaluation, nous permettent de comprendre le niveau de défaillance et les lacunes et ainsi de définir les moyens d'y remédier. Vous voyez à présent donc les trois niveaux et puis les erreurs, les codes d'erreur, les erreurs qui y figurent. Donc, comme vous pouvez le voir dans le niveau linguistique, vous avez comme type d'erreur par exemple le choix du mot ou du terme, ou bien une défaillance de mot, c'est-à-dire que le mot manque, ou bien un ajout, parfois ça arrive. Les fautes d'orthographe sont considérées dans ce niveau, ou des fautes de conjugaison aussi, les erreurs syntaxiques à faible intense, les fautes d'expression qui venant des lacunes de non-maîtrise de la langue, ou bien des erreurs au niveau de la forme. Au niveau sémantique, donc, ce sont des erreurs qui sont beaucoup plus importantes. Ça peut être donc des problèmes sémantiques ou bien des déformations sémantiques. Les contresens sont considérés dans ce niveau, les défaillances d'unité de sens aussi. Et enfin, en dernier, nous avons donc le niveau scopos, qui veut dire objectif, but, et où dans ce niveau, nous considérons donc, nous prenons compte du registre du texte, qui est important, et enfin de l'effet produit, parce que nous pensons que tout texte a un objectif précis à produire un effet. Une grille d'évaluation doit avant tout être facile à appliquer. C'est pourquoi nous avons simplifié et le tableau des niveaux d'évaluation en un format triangulaire filtrant les erreurs. Cette évaluation schématisée et simplifiée permet de voir de manière simple et rapide le niveau de l'étudiant et nous donne également un aperçu général du niveau des lacunes les plus fréquentes dans toute la classe. Voici ce que nous entendons donc par triangle schématisé ou ce que nous avons appelé nous filtre d'erreur. Vous avez donc les trois niveaux et les codifications d'erreurs. Et vous avez donc plus qu'à déduire la somme obtenue et vous avez la note sur 100. Afin de voir comment est réalisée l'évaluation, nous vous proposons à présent de jeter un coup d'œil sur les deux exemples qui suivent, c'est-à-dire celui de la meilleure copie et celui de la plus mauvaise copie d'examen final. Voici donc un examen. Vous avez la meilleure copie, comme vous pouvez l'apercevoir. Il y a très peu d'erreurs qui sont codifiées sur les marges du texte. Et l'étudiant a eu donc 86 sur 100. Et en deuxième page, comme vous pouvez le voir, cet étudiant donc a fait 7 erreurs au niveau linguistique, ce qui lui revient à 14, 1 point, 14 points de déduit sur 100. À présent, vous voyez donc la plus mauvaise copie qui a eu 30 sur 100.
comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de codification d'erreurs, et enfin le nombre d'erreurs à tous les niveaux. Donc pour finir, afin de vérifier si les objectifs fixés par ce cours sont atteints, j'ai demandé aux étudiants de faire une auto-évaluation à la fin du semestre et de me faire part de leurs nouvelles acquisitions et des compétences qu'ils ont développées dans ce cours. Pour cela, je les ai priés de se baser sur des critères pédagogiques de notre cours, c'est-à-dire les critères pédagogiques que nous avions précisés au tout début de notre présentation. Je voudrais à présent vous exposer quelques commentaires des étudiants tirés de leur auto-évaluation, c'est-à-dire des commentaires mettant en lumière les acquis et les compétences développées. Donc, je vous donne le texte tel quel avec les erreurs que l'étudiant a fait. Donc, le premier étudiant nous dit: tout d'abord, le travail que j'ai effectué m'a apporté plusieurs choses. En effectuant ce travail, j'ai eu connaissance sur plusieurs domaines et je me suis mis à faire des recherches détaillées. J'ai appris à décomposer les phrases en turc, puis les traduire, les transmettre en français. Avec les méthodes qu'on a vues pendant le cours, j'ai appris à faire des recherches sur mon sujet et d'en retirer les parties les plus importantes. Ensuite, j'ai appris à me corriger pendant mes traductions et donner plus d'attention sur les recherches de termes. Finalement, faire un exposé devant toute la classe m'a fait gagner plus de confiance à prendre parole devant tout le monde et à savoir comment créer un dossier de travail et le transmettre le plus juste possible. Ces travaux m'ont servi plus tard dans mes autres cours. Je m'en sers toujours de ces méthodes de recherche et de traduction. Nous passons à présent au troisième étudiant qui nous dit: en réalisant ces travaux, j'ai tout d'abord eu des difficultés à trouver des termes ou des textes parallèles, mais au fur et à mesure des cours, je me suis habituée et par la suite, ça a été beaucoup plus simple pour moi. Grâce à ce cours, j'ai appris à faire des recherches terminologiques ou encore à trouver des textes parallèles et à utiliser même source. De cette façon, à mon avis, ça a été beaucoup plus simple de traduire des textes. C'est grâce à ces habitudes que nous avons adoptées que j'ai eu moins de difficultés à réaliser mon exposé. C'est un travail qui m'a aussi beaucoup servi dans les autres matières. J'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre et je vous en remercie. C'est à mon tour à présent de vous remercier. Je vous souhaite donc de nouvelles aventures très agréables en traduction.